un détenu de la maison d'arrêt de correction d'Ogawa en train d'accomplir son devoir citoyen au bureau de vote numéro 1 installé à l'école centre à Ogawa. Une première pour les détenus salués à sa juste valeur. Je suis très content et très fier que vraiment, à partir du moment où ils ont pris l'engagement de permettre à nous, les détenus, de pouvoir vraiment voter. Bon, effectivement, les procédures judiciaires sont tellement lentes et vraiment nous souhaitons à ce que ça soit vraiment un peu rapide pour que chacun puisse connaître son sort. Mais ces jours-ci, nous allons amener en groupe. Voilà. Il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, à l'heure actuelle, il y a plus de 250 quand même détenus qui doivent pouvoir remplir leurs devoirs civiques. Et au niveau de la maison d'arrêt de correction de Gawa, on a au total 22. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest vote ici à l'école Gawabé. L'autorité invite chaque citoyen à faire de même. Je suis venu accomplir ce devoir de citoyen et exercer mon droit civique, en choisissant librement les autorités de ce pays. J'en appelle donc à la mobilisation de toutes les filles et tous les fils de notre région, à l'instar donc de toutes les autres régions du Burkina, pour sortir massivement et voter. À Gawa, tout se déroule bien selon les responsables des bureaux de vote. L'absence des enveloppes est la principale difficulté signalée.